J'ai fait à la chinoise. Hein. Je travaille 25 heures sur 24. Et là, les pocas.
de cette villa strasbourgère. Donc, villa strasbourgère, c'est son nom. Donc, cette villa a été construite en 1907 sur une ferme qui appartenait avant à la famille de Gustave Flaubert. Voilà. Gustave Flaubert a vendu la ferme. C'est la famille de Rothschild. Attends, on n'est pas là, on n'a rien entendu. Je vais ajouter des marques, pas de soucis. Bon, si vous voulez connaître l'histoire, facile. Donc, je recommence. Donc ici, on est à la Villa Strasbourgère. La Villa Strasbourgère a été construite en 1907 sur une ferme qui appartenait à la famille de Gustave Flaubert. Voilà, Gustave Flaubert n'a pas pu garder la ferme parce qu'il devait payer les dettes de sa nièce. Il a été obligé de la vendre. Il l'a vendue à la famille de Rothschild, qui a fait construire la villa en 1907. Voilà. Ils sont restés quelques années. Ils ont ensuite revendu la villa à deux propriétaires qui ne sont pas restés très longtemps. Et enfin, en 1924, elle a été rachetée par Ralph Beaver Strasbourger, d'où son nom aujourd'hui. Ralph Strasbourger, c'était un éditeur de presse américain. Voilà pourquoi le drapeau américain à l'entrée. Oui. Parce qu'on m'a posé la question. Donc lui, par contre, était un passionné de chevaux. On peut le voir hein, sur tous les cadres. Il avait son propre peintre, un peintre hongrois qui s'appelait Conrad. Et il faisait peindre tous ses meilleurs cracks, puisqu'il avait une écurie de course dans un haras à proximité de Lisieux qui s'appelait le haras des Monceaux. Donc, monsieur Strasbourger était d'origine bavaroise, avait une maison aux États-Unis en Pennsylvanie, où il avait son journal. Mais il venait régulièrement ici, dans cette ville-là, notamment l'été. Étant passionné de chevaux, forcément, face à l'hippodrome, c'est un endroit qui lui plaisait beaucoup. Voilà. C'était un lieu aussi, à l'époque de M. Strasbourger, un lieu de fête. Il invitait beaucoup d'artistes, d'amis, d'hommes politiques à venir séjourner dans cette ville-là. On va le voir en montant sur les escaliers, il y a plusieurs caricatures qui montrent tous les personnages qui ont fréquenté cette ville-là. M. Strasbourger est décédé en 1959. Il n'avait qu'une femme et un fils unique. Voilà, son épouse est restée à peu près jusque dans les années 75. Ensuite, voilà, son fils ne s'intéressait par contre pas du tout à la villa. Et donc il en a fait don à la ville de Deauville en 1980, sous réserve que celle-ci l'entretienne. Donc aujourd'hui, cette villa, on peut la louer pour toutes sortes de réceptions. Cocktails, mariages, dîners, voilà. Donc elle appartient à la ville l'entretient et on peut la louer. Donc sur l'architecture extérieure, vous avez reconnu le style normand. Tout à fait, oui. Voilà, avec quelques influences quand même anglo-saxonnes, notamment sur les toitures et sur les bow windows. Je vais vous montrer différentes pièces de la villa. Donc on peut louer toute la partie rez-de-chaussée, mais les étages sont restés meublés tels à l'époque de M. Strasbourger, puisqu'on fait des visites guidées en été. Donc je vais vous montrer son bureau et les étages. Visite guidée payante, donc. Oui. Qu'est-ce qu'il a devenu sans fils ? Il faut compter approximativement 1500 euros l'année. Le style normand, c'est le pont de bois, le colombage. Et l'utilisation pont de bois et colombage.